Le clan des caméléons, c'est le titre d'une nouvelle série dont le clap de fin de la phase pilote a eu lieu ce dimanche dans le village de Takélédougou à Banfora, dans la région des Cascades. Une série qui met en exergue coutume, tradition et modernité. Une manière pour le réalisateur, qui est aussi le chef du dit village, de présenter les valeurs ancestrales, les traditions et le potentiel de son village. Le film, bon, c'est comme je vous disais, c'est un pilote. Donc on va essayer de faire les 3 épisodes pour montrer au diffuseur. Mais notre intention est d'en faire un téléfilm d'1h30 qui va être diffusé en salle, bien sûr à Ouaga ou à Bobo. Pour les premiers responsables du FESPACO, c'est toujours une joie pour eux d'assister à de tels événements qui enrichissent et permettent la continuité du cinéma burkinabé. Parce qu'on a la chance d'avoir un réalisateur qui est en même temps chef coutumier. Donc il utilise sa technique, il utilise ses connaissances artistiques, cinématographiques pour valoriser le patrimoine culturel. Et le chef a décidé de faire de la série qui doit être une œuvre agréable, mais une œuvre qui va chercher dans le tréfonds de nos coutumes pour montrer qu'il y a des valeurs en Afrique. Et je pense que il faut encourager cette initiative-là. Un film qui sera diffusé en salle à Banfora lors de la célébration des 60 ans d'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, foi du réalisateur.